Non, mais de quelle ville? Hein? D'Angers? D'Angers. Et ils vont où après? Alors là, j'ai même pas eu le temps de regarder, moi. Ils arrivent d'où les coureurs aujourd'hui? D'Angers. Ils vont où après? Ah, je ne sais même pas, voyez-vous. Alors vous êtes de quel service? Service voirie. Et que faites-vous là? Alors on enlève de voiture pour l'arrivée de France tantôt, pour c'est l'emplacement des caravanes. Pour vous les enlevez avec quel matériel? Alors c'est un camion équipé d'une grue. Alors je les emmène aux environs. Et combien en aurez-vous embarqué? Oh, certainement une quarantaine, certainement. Il y a des rues aux environs aussi. Vous disiez? Il y a des rues aux environs aussi, où, à l'arrivée, donc où il y a des voitures, c'est... Oui, parce que le stationnement était interdit. Ah, oui, c'était interdit. On l'avait annoncé à l'avance. Hein. Oui, c'était ce jour-là depuis samedi. Qu'est-ce qui va vous acheter les cacahuètes, là, les coureurs? Ah non, je crois pas, non. Ceux qui viennent le voir. Vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de clients? Je ne sais pas, c'est la première fois qu'on le fait, alors je trouve que c'est normal. Qui a gagné l'étape hier? Hier, c'est Gilioli, je crois. Le jour d'avant, c'était chez nous. Bon. Celui qui a gagné hier, c'est évidemment... Hein? Oui. Ça vous intéresse, le Tour de France? Oh, pas beaucoup, non. C'est bon pour les jeunes, ça.